L'amie et ancienne collègue de Meghan Markle est venue à la défense de la duchesse de Sussex et a déjà raconté d'innombrables histoires sur la façon dont elle l'avait aidée, y compris lorsque son fils était malade. La duchesse et le prince Harry espèrent discuter avec la reine des projets de baptême de leur fille, Lilibet Diana, selon des informations. Leur plus jeune enfant n'a pas encore visité le Royaume-Uni et rencontré ses parents royaux, étant né en Californie en juin. Archie, le premier du couple, est né en Grande-Bretagne et a été baptisé au château de Windsor avant de partir pour les États-Unis pour poursuivre une vie privée. Christina Garibaldi a déclaré au podcast Royal Us, quelque chose d'autre d'intéressant, le prince Harry et Meghan Markle auraient voulu s'asseoir avec la reine et ils espèrent discuter du baptême de Lilibet à Londres. C'est une rumeur, qui sait si c'est tout à fait vrai, mais c'est une offre qu'ils veulent faire à la reine. Qui sait si elle acceptera? Bien qu'il ait reçu de nombreuses critiques ces derniers mois, beaucoup sont venus à la défense de la paire. Silver Tree, un producteur de films qui a travaillé sur Suits, la série à succès qui a vu Meghan devenir une célébrité, a précédemment tweeté un torrent de messages révélant l'étendue de la prévenance de la duchesse. Plus tôt cette année, quelques jours seulement avant l'interview de Meghan et Harry avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, Madame Tree a raconté comment la duchesse avait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Elle a écrit. Quand mon fils traversait un diagnostic effrayant et compliqué, elle est l'amie qui a tout arrêté et a aidé à tracer, étape par étape, comment nous naviguerions dans les choses. Elle a appelé tous les gens, tous les endroits quand j'étais trop paralysée pour former un plan. Madame Tree a également tweeté que Meghan était l'ami qui remplit sa maison de toutes vos choses préférées lors de votre visite et prétend qu'elle les avait déjà, juste parce qu'elle veut que le moment soit pour vous et non pour elle. Les histoires ne se sont pas arrêtées là. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.